quels moyens pour accélérer le déploiement et la mise en œuvre du registre social unifié. C'est l'objet de la réunion présidée ce mercredi par le chef du gouvernement marocain Aziz Arnouche à Rabat. La réunion s'est tenue en présence de plusieurs responsables, dont les ministres de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, de l'Éducation nationale et de la Santé, ce qui traduit la volonté du gouvernement d'accélérer le déploiement du registre social unifié et les mécanismes de son suivi dans le respect des échéances arrêtées par les instructions royales. Aziz Arnouche a appelé toutes les parties prenantes à une mobilisation massive pour la mise en œuvre de ce chantier, étant le mécanisme le plus efficace pour cibler les familles pauvres et vulnérables. Je vous propose d'écouter le chef de l'exécutif marocain. Notre réunion fait suite à l'annonce faite par le roi Mohamed VI lors du discours de la fête du trône. Un discours qui a appelé à l'application effective et imminente du grand chantier de la protection sociale. Dans ce sens, nous avons organisé une réunion pour discuter des mécanismes d'activation du RSU, le registre social unifié, un chantier qui jouit de toute l'attention du ministère de l'Intérieur et du gouvernement et pour lequel les ministères de tutelle demeurent fortement mobilisés pour pouvoir dispenser aux citoyens le soutien financier, notamment pour la scolarisation des enfants. Cette initiative concerne également les ramédistes qui seront inclus dans le registre de la protection sociale, pareillement à tous les travailleurs inscrit sur ce registre.